Le géant taïwanais TSMC a annoncé, mardi, être prêt à investir jusqu'à 3,8 milliards de dollars en Allemagne et à injecter 4,5 milliards de dollars de capitaux dans son usine aux États-Unis. En Arizona, le comité de direction a approuvé une prise de participation d'un montant maximum de 3,499 milliards d'euros, 3,8 milliards de dollars dans une filiale détenue majoritairement détenue par TSMC. European Semiconductor Manufacturing Company ESMC GmbH, en Allemagne, a précisé TSMC. Le fabricant de semi-conducteurs prévoit de construire une usine à Dresde en collaboration avec Bosch. Infineon et NXP, qui prendront chacune une participation de 10% dans la coentreprise. Les 70% restants seront destinés à TSMC. Le gouvernement allemand s'est aussi engagé pour les coûts de construction et devrait, à cette fin, débloquer 5 milliards d'euros provenant de son fonds pour le climat, sous réserve d'accord de la Commission européenne, d'après le quotidien économique Handelsblatt. Il s'agira d'un investissement total de 10 milliards d'euros, selon TSMC, qui indique également que l'investissement créera quelques 2000 emplois pour une production qui démarrera en 2027. Les puces produites par la future usine de Dresde seront destinées à l'industrie automobile.